Bonjour et bienvenue à tous pour La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor. Un jeu d'action RPG, je ne sais pas, c'est comme jeu. Mais en tout cas, c'est un jeu qui s'avère être assez intéressant. J'ai joué 5 minutes et je me suis bien marré. Donc, écoutez, j'espère que ce sera de même pour vous, tout simplement. Donc voilà, maintenant, allons-y, découvrons ça. Du Mordor, où règnent les ombres. C'est ici, sur les flancs de la montagne du destin, que Sauron, le seigneur des ténèbres, fut vaincu par la dernière alliance entre les hommes et les elfes. C'est ici que depuis 2500 ans, les rôdeurs du Gondor montent la garde, guettant une menace mystérieuse, quasiment tombée dans l'oubli. Et tandis que la puissance du Gondor déclinait, le pouvoir et la rage de Sauron grandissaient dans les ténèbres. Il est de retour au Mordor. Les ombres et les flammes ont investi les portes. Et aucun être mortel Hey Bali, salut à toi. Violette, t'as pas l'air très bien. Violette. On se croirait dans le monde des fantômes, le monde des morts, vous savez, dans le Seigneur des Anneaux. Il y a Aragorn qui essaie de prouver que c'est sera le prochain roi du Gondor. C'est pas du Gondor, si, non. Ah, je sais plus, me frappez pas. Tueur de poules. Ce sera la première, le premier nom renommé du fils aimant. Tyrell. Montre à ton père ce que tu sais faire. Allez, montre-moi un peu. Fiston. Ok. Non, c'est histoire que ça me pète pas les oreilles, quoi, tout simplement. Ok, fiston. Plus fort si tu veux battre ton père. Bah alors, fiston. Fort. On a un problème? On n'y arrive pas? Non, c'est pas assez fort. Rien d'être assez fort pour moi. N'oublie je pas suis de trop fort pour toi, de toute façon. Même si je te regarde pas. Tu veux que je t'attaque? Ok. T'es sûr, hein? Parce que je vais finir par te faire mal, tu sais. Hop là. Je te regarde même pas. Hop. Oh, tu m'as touché. Genre, tu m'as touché. Moi, ton père, tu oses me frapper? Tiens, sale go. Un peu de respect pour tes aînés. Voilà. T'as bien changé, mon fils, dis donc. Je crois que l'adolescence t'a pas vraiment fait du bien. Ah mais non, il est là. Ah, dis donc. Il était caché. Hein. Boum, le coup de poing. Allez, in your face. Et clac là. La petite mise à mort. Tranquillement. N'oublie pas ton entraînement. Tyrell. Yot, yot, yot. Waouh, qu'est-ce qui se passe sur mon écran? Je ne comprends plus rien. Et non. Ouh,
C'est de la belle élimination. Comme on les aime. Tiens bon, Dirrell, tout va bien se passer. Ctrl G, saisir et projeter. Ah ok, vas-y on va essayer ça. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est pas le moment de faire le malin là. On n'est pas dans une mission d'infiltration. Eh ben alors? Eh ben alors? Punk. Oh putain, il a fait un bol l'autre. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Bon, ce qui est sympa, c'est qu'on se retrouve dans un jeu qui est quand même... Bah alors, on a un mal de crâne. Je veux dire... c'est quoi ces ralentis? On est un peu dans un jeu qui rassemble du combat à l'Assassin's Creed et de l'épicness au Seigneur Zeno quoi. C'est pas mal, j'aime bien le concept. Vas-y fonce mon ami. Va retrouver ta mère. Moi je vais méditer. Je suis mort. Tu es banni. Est mort, mais pas mort. Ah mais quand je vous disais qu'il était dans le monde des morts. Ah, tiens. Tiens donc. Oh. Ça, c'est pas cool. D'après ce que je comprends, ça doit être sa femme. Pauvre ami. La vie n'a pas l'air de te faire des cadeaux. Oh, il lui a pris des fleurs. Ça mignon. Tu l'aimes ta femme. C'est joli quand même. Mais sur ta route, n'oublie mage gauche pour vous faufiler. Ah. Et c'est l'assassinat. Ah non. Joyeux anniversaire, mon cœur. Talion. Je ouais. Trouve ça magnifique. C'est ça ton cadeau d'anniversaire. Pauvre ami. J'ai encore quelques amis au Gondor. Tu as parlé à mon père. J'ai essayé. Il n'y a rien à faire. Il est toujours aussi borné. Si on y allait quand même. Dirael ne voudra pas venir. Je suis certaine qu'une vie meilleure nous attend. Pas maintenant. Mais bientôt. Bientôt, ce sera un peu tard bientôt. Hein. J'en ai assez de me cacher ici, Talion. Je te le dis, moi, je veux le futur. Hein. Chut. Il faut qu'on se cache si on ne veut pas mourir. Suis-moi. Et voilà. Ça, c'est bientôt, ça. J'avoue, t'en avais marre d'être avec elle. On aurait dû partir quand on le pouvait. Ne bouge pas. Je vais dégager le chemin. Il y en a trop. La furtivité est mon seul avantage. Furtif. Je suis un pro de la discrétion, ça tombe bien. Salut, bonhomme. Ben alors, Amber, dis donc. Salut gros. Hop là. Et you die. Non. Lâche ton épée, rôdeur. Lui aussi c'est un problème de discrétion apparemment. Je l'ai même pas entendu arriver dire. Il est stylé lui. Ça va là-haut, on se calme. C'est quoi cette violence? Désespérant. Yoret,
I'm dead. Hello. Welcome to the other side. Quel est cet endroit? The other side. Regarde autour de toi. Tiens, un indigène. Qu'est-il arrivé? Tu es mort, mon ami. Tu es banni d'entre les morts. Ton année a erré entre la lumière et les ténèbres. Une malédiction nous a réunis entre les murs d'Arda. Si ce que tu dis est vrai, il nous faut rompre cette malédiction. Nous devons trouver celui qui nous l'a jeté. La et pour ça, nous allons tuer tout le monde. Ça, c'est cool. On aime tuer tout le monde. Et c'était un prologue bien sympathique. Dis-moi. Ça me rappelle quelque chose. T'as un peu de rite, non? Talion a tué un noble, Yoret. Mm-hmm. C'est pourquoi sa vie appartient désormais au Gondor. Père, si tu livres celui que j'aime, je jurerai que j'ai tué le Seigneur. Eh ben, allez où la suite de l'histoire? Enfin, on coupe pas un dialogue comme ça, ça se fait pas. Non mais... Reforgé. Le déverrouillage des tours de forge débloque des souvenirs du spectre. Ok. Ceci débloque de nouvelles missions, de nouveaux emplacements d'éléments à collecter sur la carte. Et les Myrians. Qu'est-ce que les Myrians? C'est une bonne question, ça. Parce que je n'en sais rien du tout. Voilà. Et hop là, Assassin's Creed me voilà. Sauf que moi, j'ai même pas besoin de... Même pas besoin de bottes de paille. Quelqu'un sur Narcos, hein? Je vais y remédier rapidement. Ouf. Hey, salut. Maintenez pour passer en mode à distance. Oh, sympa ça. Boum. Salut. 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 Et salut. Genre, ils sont pas morts. C'est une blague. Tiens, ça t'apprendra. Aïe, salaud. Salut, go. Vous allez payer pour ce que vous avez fait. Vous allez payer pour vos crimes. Tiens, you die. You die. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pris ton âme, sale. Et pue ton âme. Autant que toi. Salaud. Hey. Boum. Wow. What the fuck? Toi, t'as des pouvoirs chelous. Fais-lui manger la pomme de ta main. Ok. Contrôle G pour saisir. Espace pour interroger. Ok.
Vous êtes tous des monstres, les gars. Ok. Voici les capitaines de l'armée de Sauron. Intéressant. Torcher des ennemis vous permet d'obtenir des précieuses informations sur le capitaine. Guimoub. Alors, l'esclavagiste. Guimoub, l'esclavagiste. Très bien. Capitaine vétéran. Son niveau de pouvoir. Il vous indique la difficulté que vous aurez à le battre. Ok, ça veut dire quoi? 5, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Les récompenses que vous obtiendrez en le battant dépendent de son niveau de pouvoir. Très bien. La carte et l'objectif indiquent où ce capitaine se trouve. Marquez votre cible avec espace. Très bien. Salut Guimoub l'esclavagiste. Ah c'est ça, fuis. C'est là-bas que nous devons aller. Apparemment. On doit faire confiance à un orc. Ce n'est pas une question de confiance. Son esprit ne peut pas mentir. Il contrôle les âmes, mon ami. Je ne peux rien faire contre ça. Mais en tout est bon. En toute chose. Qu'est-ce qu'une âme ? Sauver les âmes prisonnières de Mordor et trouver les capitaines noirs. Guide mission. L'esprit du Mordor. Découvrez les fonctionnements de la société du Ruk. Détruisez l'armée de Sauron. À nous seuls, on va tuer toute l'armée de Sauron. Le monde a changé. Plus rien n'a de sens. Rien n'a changé. C'est comme ça. Le futur et le passé sont liés dans l'ombre. Je ne comprends pas ce que je fais là. Et je ne m'en souviens moi pas. Moi non plus. Allons trouver l'esclavagiste. Hop. Son esprit pourrait salut nous salut les gars. Ça va comme vous voulez. Yep. 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 Eh ben alors, on meurt ? Dis donc. Des esclaves. C'est vrai, mais comment dire que vous allez en avoir de moins en moins en fait, actuellement. Salut gros. Hook. Hook. Allez, salut les gars. Je suis libre! Libre comme l'air! Ça va, pousse-toi! Attraper l'esclave! Bon alors, est-ce qu'on va faire la mission principale en premier ou pas? C'est une bonne question. Alors, qu'est-ce que nous propose ce jeu? Moi, je suis où? C'est moi là? Je ne sais pas. Renseignement. Ah non, là, c'est un mec sur lequel, sur lequel je peux me renseigner. Moi, je suis là, j'imagine. C'est moi ça? Ça doit être moi. Ah non, c'est pas moi, parce qu'il y en a plusieurs. Et où suis-je? Ah, je suis là. La flèche, bah oui, ça paraît logique. On va aller voir ce mec, et on va voir si on peut pas se renseigner. Et j'ai bien envie de pas faire cette mission en premier, mais de faire celle-là. L'esprit du Mordor. On va aller se renseigner sur... faire les quêtes secondaires, un peu, tout ça, quoi. Enfin non, ça a l'air, vu que c'est jaune, c'est une quête principale, non? J'en sais rien. Bon alors, commençons par aller nous renseigner sur le petit bonhomme qui est ici. Il y en a trois. Intéressant. Salut gros. Reviens ici toi. Alors attends, CTRL G, espace. Oui, c'est ça. Les renseignements vous révéleront les forces d'un capitaine et dévéleront ses faiblesses. On aime savoir les faiblesses. Du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant? Apprendre les forces et les faiblesses. Ok. Renseignement. Nouveau renseignement obtenu. Faiblesse, dégâts d'attaque à distance. Ok. Force. Oh, il a beaucoup de force, lui. Très bien. Ah, mais on peut choisir quel renseignement avoir.
avant de le tuer. Sympa. Salut gros. Oh, je vais viser lui. Lui. Allez, salut. Ok. Ceci étant fait. Merde, y'a des gens là. Ah, c'est la fuite. Non, c'est espace pour courir. Putain, j'ai trop l'habitude avec les FPS de dépêcher. Shift à chaque fois pour courir. Oui, c'est un vrai Assassin's Creed le mec. Hein. On va pas se mentir. Le gars sait s'y faire avec les murs. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est que cette... Mais qu'est-ce que tu fais? Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ah, c'est la cage. C'est une cage qui permet de... d'enfermer les trucs qui sont... Non, t'as rien vu. Ah, mais je l'ai pas tué. Oh là là. Bah alors, il est où? Je suis là. Je suis là, gros. Pas de soucis. You die. You die, motherfucker. Alors, quelle sera la suite des événements? Oh, encore des renseignements. Oui, on va prendre tous les renseignements qu'on peut et on va aller là aussi. Confrontation, battez Ashgarn l'écraseur pour obtenir une récompense spéciale. J'aime bien faire avoir des petites récompenses spéciales avant de battre les boss, comme ça au moins c'est plus facile. Puis si le jeu nous le permet, hein, on va pas s'en priver. Comment on fait pour mettre un... On va pas mettre un... Non. Aucune bataille peut être gagnée sans ses guerriers. Et nos guerriers sont plus forts que tout le monde. Ah ouais? Tu crois ça toi? Regarde ce que je t'en fais de ton guerrier. Boum! Tu meurs. Dieu merci, bah oui, je sais, merci. C'est moi, c'est Dieu. On m'appelle comme ça dans le milieu. Hop là. Allez. Viens ici, toi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bon, alors, on s'est renseigné sur lui, c'est très bien. On va voir lui maintenant. Espace? Non, je sais pas. Ah non, il peut me renseigner que sur lui. Vous connaissez déjà les forces et les faiblesses. Oui, mais lui. Je peux pas, lui. Force et faiblesse. Peur des gules. Peur des mouches. Il a peur de pas mal de trucs, le bonhomme, quand même. Pouvoir 4. Ok, bon. Apparemment, vous perdrez ce renseignement. Mais quel renseignement? De quoi tu me parles? Je comprends pas, l'ami. Explique-moi. Espace renseignement. Ah, ok. Je peux me renseigner sur tous les capitaines. Très bien. Marquez la cible. Mugish le briseur. Sympa. D'accord, j'avais pas compris. Ça paraissait assez obvious. Putain, mais il saute à 10 km lui. C'est un truc de ouf. Mais je ne l'ai jamais vu. Je le vois. Ah bon, tu me vois là? Croise le fer avec moi. Et de qui tu parles? Ah, mais il est là-haut. C'est rigolo ça. Tu peux monter ou comment ça se passe dans ta vie? Allô? Monter, espace. Ah, bah voilà. Contrôle gauche, espace. Voilà, je vais y arriver, à force, je vais y arriver. Renseignement. Qu'est-ce qu'il peut nous apprendre, lui, dis-donc? On peut en apprendre plus sur lui? Vous connaissez déjà ses forces et faiblesses. Apparemment, je connais les forces et faiblesses de tout le monde. Bon, bah écoute, on va choisir lui aussi, t'as qu'à faire. Pas mal, j'aime bien. On va peut-être finir par tous se découvrir à force. Mais qu'est-ce que tu fais? Entrer dans le mode spectacle pour trouver l'in proche. Hop là. Salut. T'as rien vu. Il s'est rien passé. Oui, je n'oublie pas. Et d'ailleurs, je vais le buter. Ok. On va se battre contre Ashgarn l'écraseur.
Ashgarn l'écraseur. Ashgarn l'écraseur. Eux, armés de Sauron. C'est qui Ashgarn l'écraseur? C'est lui? Bah non. Ah, ça doit être lui, capitaine inconnu. Non, je sais pas. Bon, écoutez. Hein? Oh, attendez, il y avait des trucs là. Armes et runes. Vide. Eh, hey, mais attends, j'ai des runes et tout. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi on n'a pas expliqué? Dis donc. Ça se fait pas, hein? Tueur d'orques, les coups finaux de combat infligent des dégâts supplémentaires au capitaine. Ok, 20% de chance que vos coups critiques aient plaît en flamme aux ennemis. Fort bien. La compétence légendaire Tempête du Fel. Du Fel. Réduire les dégâts de mêlée subis. Ok. Donnez une dernière chance supplémentaire pour retourner défier les Uruks au combat. Je pense qu'on va prendre ça. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air stylé. Fort bien. Épée, arc, rune disponible. Qu'est-ce qu'on a? Augmente les dégâts de tir à la tête. Réduit les taux de perte de la concentration de 50%. On va augmenter les dégâts. Hein, on va faire comme ça. Dague. Putain, j'ai plein d'armes. Mission furtive et les exécutions au sol infligent des dégâts supplémentaires au capitaine et au chef de guerre. Impossible, insensible au poison. Ok. On va prendre ça. Je sais pas ce que je fais, mais c'est pas grave. Amélioration. Gagner de l'expérience pour obtenir des points de compétence. Ok, ça paraît logique. Et participer aux luttes de pouvoir pour gagner du pouvoir. Rapidement déverrouiller les trucs. Et j'ai un point de compétence à dépenser, les gars, là. Oh. Qu'est-ce que je vais prendre? C'est quoi ça? Lorsque vous franchissez des obstacles afin d'obtenir un boost de vitesse temporaire. Ok. Très bien. Projeter en arrière, tourner, mis à terre, exécution. F pour exécuter votre cible. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ça, j'aime bien. Allez, prenons ça. C'est quoi ça, annexe? Faucon de l'enfer. C'est genre des informations, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Peu m'importe. Alors, comment dire? Il faut que je regarde vers la droite et que j'aille là-bas. Ça doit être genre là-bas, il est là-bas. Vous avez vu? Moi j'ai vu. Moi j'ai vu, moi. J'adore comment avec un simple petit coup d'épée, j'arrive à faire hurler un humain. Pitoyable. Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Hop là. Salut. Ce fut un plaisir de faire votre connaissance. Mais avec plaisir, je suis là pour ça enfin. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Battez Ashgarn l'écraseur pour obtenir une récompense spéciale. 8. Oula, mais non, non, mais moi je suis pas... Annulé. On va pas faire ça maintenant, hein. On va plutôt aller voir l'autre là-bas, le truc jaune. Apparemment, rouge, ça veut dire que c'est compliqué pour moi, hein. Je croyais que c'était pour dire genre 4 secondaires, mais... Apparemment, c'est pas trop ça, hein. Donc, on va plutôt aller par là-bas. Et je récupère pas ma vie au fur et à mesure. Disons. Quelle bête. De quoi il parle? Y'a les Uruks à tuer. Malin. Ah! Je l'avais pas vu lui. Ah, punk. Eh ben, quand je te dis tombe, c'est tombe. Je suis perdu dans ma vie, tout va bien. Allez, tiens. Qu'est-ce que c'est ça? L'orme le massacreur. Oh merde! Qui c'est ce mec? Ow! Tiens, salaud! Hop là, la petite exécution qui fait plaisir. On aime les slow motion en plus. Allez, tiens, je te défonce moi, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben alors, ça fait mal? Je peux pas te blesser, c'est une blague. Je
Et voilà. C'est comme ça qu'on fait. Espèce de petit massacreur, c'est moi qui te massacre. Ah, du coup, ils fuient tous. Bon, bah écoutez, fuyez, je sais pas. Ah, bah non, il fuit pas en fait. Attends, lui, il vient me donner des renseignements, lui. Faut pas que je le tue. Pas tout de suite, en tout cas. Quoi, encore un? Sérieux, ils viennent tous me voir ou quoi? C'est une blague. Ok, je vais juste te buter, disons. Aouh! Salaud! J'ai presque plus de vie, moi, dis donc. Dis donc, dis donc. Ah, qu'est-ce que j'aime ces trucs-là. Les petites éliminations comme on les aime. En bon slow motion. Tiens! Eh ben alors? Bon, moi je vais pas mourir, moi. Tu me prends pour qui? Moi, je suis pas du genre à mourir aussi facilement, hein. Tu crois quoi? J'ai presque plus de vie, mais en repli. Non, pas en repli, non, je crois pas, non. Aïe! Non! 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 Espace appuyé pour déplacer le curseur. Hey, nice! Il est où l'autre? Il est où le... Pourquoi il s'enfuit là? Je suis pas d'accord, moi. Reviens ici! Reviens ici, toi! Hey, Mugrich! Je t'ai vu, hein! Tu pourras pas t'enfuir indéfiniment! Non, 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 non! Non, reviens! Putain, il court vite ce con! Allez, reviens ici là! Ah, voilà! Là, on est bien là! Là, on est bien! Et tu tapes dans le vide là! Actuellement, tu es en train de taper dans le vide! Allô? Ok! On a fini par l'avoir. Fort bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Point de compétence gagné, bah oui, tu m'étonnes. Contrôle G. Mais j'ai pas ramassé l'autre par contre. Entrée équipée. Jusqu'à la mort niveau 6. Je comprends pas, il se passe plein de trucs. Bon, je viens d'où moi? Comment je fais pour revenir là où j'étais? J'ai pas vraiment récupéré l'autre truc que je devais récupérer au départ. C'est là? La sortie? Ouais, ta gueule, toi. Ça! Oui, on n'y voit rien. C'est pas grave, l'important c'est d'appuyer sur les bonnes touches. Et non, tu mourras pas, salaud. Ah, mais lui aussi il me donne des trucs là. De l'intelligence! Faut pas que je le tue. Oh, les exécutions sont vraiment cool quand même. Mais non, je l'ai tué. Ah non. Je veux savoir ce que tu sais. Du coup, j'ai tué lui. J'ai tué lui aussi sans faire exprès. Apparemment. Ok. Retour. Tiens, dans ta gueule! Bon, et comment je fais pour revenir là où j'étais, moi? Hein, c'est par où? Ah, c'est par là la sortie. Très bien. Bon, faut que j'aille récupérer l'autre truc que j'ai pas récupéré. Du coup. Hein? Bon. En tout cas, ce jeu a l'air plutôt. Plutôt facile actuellement. Enfin, je veux dire, j'ai pas trop de mal à faire tout ça. Équipé. Je sais pas ce que c'est tout ça, je comprends rien. Aidez-moi. Allez, on va faire un petit peu d'assassination. Tu m'as pas vu? Qu'est-ce que c'était? Rien du tout, t'as rien vu. C'est Toro qui est mort. Ah ouais? Toi aussi t'es mort. Regardez comment tout le monde se fait tuer derrière vous. Regardez comment vous êtes débiles. Mais moi je veux juste faire une élimination. C'est pas possible.
Salut gros, ça comme tu veux. Ah ouais, essaye un peu pour voir. Essaye un peu pour voir. Normalement c'est contrôle hein. À moins que je me trompe de touche, mais je suis pas vraiment sûr de... Je ne comprends pas. J'ai l'impression de faire les bonnes touches, mais je dois pas les faire parce que au final je fais. J'arrive pas à les assassiner. 7 et 8 et exécution. Et on tue lui. C'est... Ah non, mais c'est mage et attaque. Ben voilà, j'appuie sur contrôle depuis le début aussi. Quelle idée! Quelle idée! Ah ouais, tu crois? Tu es sûr? Tu es sûr, hein? Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Bon, du coup, bah, j'ai dû gagner pas mal de trucs là, dis donc. Qu'est-ce que quoi? Dague. Ok, alors ça c'est. Furtive. Ok, ouais, ça c'est pour faire plus de dégâts. Les meurtres par empoignement au poignard restituent 43% de concentration. Et réussir un drainage ou marquage restitue 17% de santé. Ok, on va prendre ça pour l'instant. Peu importe. Gagner plus de M. C'est quoi des M? Amélioration. 148 points. Ah, mais d'accord, en fait, 5 pouvoirs, c'est que dalle, en fait, tout simplement. Ok. Très bien. Détonation. Tirer sur les feux ou les fûts pour les faire exploser. Et ça, c'est quoi? Chevaucher de Garagos. Oh, Caragor, pardon. Une fois chevauché, vous pouvez vous déplacer, escader et vous battre avec lui. Ok. Écoute. Rapidité elfique. Calculez bien votre réception. Bon. Écoutez, je sais pas trop. Je pense que je vais prendre ça. Ouais. Très bien. Bon, au final, ça a pas l'air si dur que ça, donc je vais peut-être. Peut-être aller me faire lui là. Je vais être tout droit et je vais me faire lui. Comme ça j'aurai une récompense spéciale. Bon et bien sûr ces belles paroles, je vais vous dire à la prochaine fois pour la suite de la vidéo. Alors j'espère que ça vous a plu et si ça vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à aller voir la prochaine. Voilà. Tchuss.